Allez, salut à tous, c'est Zab. Du coup, deuxième vidéo de ce format, et cette semaine, on se retrouve pour une explication du Maelstrom. Donc, je vais vous dévoiler un petit peu tous les secrets, les caisses, les galapins, les orbes dorées, etc., etc. Donc, comme d'habitude, je vous fais un run en mode facile pour pouvoir vous montrer absolument tous les secrets dans le temps imparti, et en espérant que ça va vous aider à finir votre instance en multiplicateur x16 à chaque fois et farmer vos cristaux plus rapidement. Voilà, donc si ça vous aide, si vous aimez ce genre de format, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâchez-moi quelques commentaires aussi, parce que c'est toujours bien les commentaires constructifs, et voilà, ça me permettra de progresser aussi au final. Voilà, allez, c'est parti. Ah super, enfin une partie tout seul. Allez, c'est parti. Du coup, je vais essayer de me dépêcher pour réussir tous les événements dans le temps imparti. Possible que je loupe le premier parce que le temps est un petit peu court au début, mais voilà. Au début, première orbe jaune, toujours là. Donc elle est toujours à l'entrée juste en dessous. Ensuite, vous en avez une deuxième qui peut spawn soit ici, là ici en l'air, là, hop là, juste là où je suis. Une deuxième qui peut apparaître juste ici, en bas au niveau du cadavre. Hop. Et la troisième va apparaître juste là en dessous de la corniche. Voilà, ensuite juste sur la gauche, vous avez un puzzle. Donc celui-là, il est assez facile. C'est juste un truc de mémoire en fait, hein. Vous avez juste à activer les plaques, essayer de retenir et puis faire des paires. On connaît tous ce jeu. Voilà, le puzzle est fini, j'ai un petit peu galéré, j'ai perdu du temps. Mais bon, voilà, vous récupérez vos orbes dorées, et pendant que vous faites toute cette partie-là, en fait, vos collègues peuvent directement faire le premier événement pour gagner du temps. Ensuite, on va prendre les caisses. Donc les caisses, il y a un spawn ici. Elle peut être ici, elle peut être tout en bas. Voilà, il y en a une là. Hop. Et ensuite, elles sont toutes en fait sur le chemin. Donc là, après, vous allez faire le puzzle d'orbes. Toujours commencer par la bleue, hein, comme d'habitude, on réexplique pas ce puzzle. Hop, tiens, j'en ai loupé une, bah voilà. Hop, j'ai loupé la sphère. C'est mort, j'aurai pas la violette à la fin. Je vous montrerai sur les suivantes. Mais bon, là, comme on n'a pas beaucoup de temps, voilà, une deuxième caisse ici. Hop, ensuite chemin. Hop. Et voilà. Et quand vous avez fini, si vous avez pris toutes les bleues, la violette se trouve ici. Bah voilà. Ensuite, une troisième caisse ici. Il y a un spawn de caisse aussi juste ici. Si jamais vous passez devant, hein, de toute façon vous allez l'avoir en général. Ensuite, on va faire très rapidement le puzzle. Alors, premier puzzle très simple. Vous récupérez les boules rouges. Donc, c'est en forme de carré. Il y en a un au chaque coin de la salle, pardon, et il y en a une au milieu. Donc, elles sont toujours au même endroit, hein, c'est plutôt facile. Voilà, donc là le boss va sortir. On va essayer de vider la salle en 1 minute 22. Donc vous tuez le boss bien sûr en premier. Il est parti où? Il est là, voilà, c'est celui où il y a la cible dessus. Donc quand vous le tuez, en fait, vous gagnez un multiplicateur. Voilà, le premier événement est fini. Donc du coup, on va pouvoir se chercher le galapin, puisque dans cette salle-là, il y a un galapin. Donc il peut apparaître ici, dans ce coin-là, juste sur le mur. Vous le voyez bien de loin, hein, sur lui, hein. Celui-là, puisque tout est gris, en fait. Donc juste le rouge, en fait, il va apparaître très, très facilement. Il y en a un ici, sur la corniche. Il y en a un qui peut apparaître ici. Voilà, dans le petit encadrement juste là. Voilà, et le dernier est juste là, caché en haut de la corniche. Voilà, ensuite on peut continuer sur la suite de l'instance. Donc ici vous avez un puzzle de sphère bleue et verte. Et vous avez également une orbe dorée. Donc une qui peut apparaître juste ici. Une qui peut apparaître au-dessus de la lave. Hop. Voilà, dans ce coin-là. Et une qui peut apparaître juste au fond ici. Hop.
Voilà, on va récupérer. Ensuite, on a le puzzle de sphère à faire. Toujours à récupérer dans le bon ordre, hein, récupérer les bleus. D'abord, si on veut pouvoir finir la violette. On va vider juste ici. Voilà, donc on récupère la bleue. On va finir le puzzle de sphère et ensuite je vous montrerai les caisses. Voilà, donc vous pouvez aller jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, toujours vraiment faire attention parce qu'il y a des caisses qui sont. C'est assez linéaire ici, donc elles sont plutôt faciles à trouver. Mais il faut quand même faire gaffe parce que c'est facile d'en louper une. Et c'est quand même pas mal de points. Donc vous en avez une dans cette salle. Et en général, il y en a une dans cette salle et deux dans l'autre. Deux dans la suivante. Donc ici, on en a une. Et voilà la deuxième, juste ici. Donc elle apparaît soit ici, soit des fois elle est de ce coin-là. Voilà, juste ici, soit au fond de la salle. Voilà, ensuite on va aller tuer le titan. Donc, un événement à faire ici, un puzzle, encore une fois. Donc quand vous êtes 4, c'est plutôt facile puisque vous avez juste à poser deux pyramides. Une fois que vous avez posé deux pyramides, si vous êtes un petit peu coordonné, vous pouvez dire à vos collègues de se poser sur une plaque et ça valide en fait. Voilà, une fois que vous les avez toutes posées, il y a le boss qui sort, encore une fois. Donc vous le tuez pour gagner un multiplicateur supplémentaire. Hop, et après vous pouvez tuer le titan tranquillement. Voilà, l'événement est fini. Dans cette salle-ci, il y a également un galapin. Donc celui-là, pareil, il est un petit peu facile à trouver. Il est toujours en général tout autour de la salle, ou alors tout en haut, ici de la corniche. Donc vous baladez un petit peu, il y en a un qui pop un petit peu sur la corniche ici, en général. Il y en a un autre qui peut apparaître juste ici. Je l'ai trouvé ici l'autre jour. Est-ce qu'il est en haut de la corniche là? Ouais, voilà. Donc là, il est en haut de la corniche. Hop. Juste ici. Voilà. Et sinon, j'ai pu le voir dans ce coin-là. Juste ici. Et j'ai pu le voir complètement l'opposé. Hop. En haut ici. Voilà. Voilà, ça c'est pour le galapin, du coup on va pouvoir continuer. Encore un autre puzzle de sphère. Voilà, on a eu la violette. Et dans cette salle, une caisse. Voilà, ne pas oublier surtout, hein. Pensez à bien faire les caisses. Ensuite, ici, dans cette salle-là, on a tout de suite sur la droite, on a une orbe dorée. Soit elle apparaît ici, soit elle apparaît juste en bas là. Caché dans le coin. Alors ici, pour ceux qui veulent farmer les cristaux, qui veulent vraiment faire du gros score, il y a une technique spéciale. Il faut être 4 dans le groupe, vraiment, il faut avoir une petite communication, il faut être synchronisé, puisque en fait, il y a moyen de faire repop les brutes. Donc par exemple là il y en a une à gauche qui a spawn et il y en a trois à droite. Donc on va tuer les trois de droite et on va revenir en arrière. Voilà, tous les membres de l'équipe doivent revenir à ce point précis. Voilà, sinon ça ne fonctionne pas. Donc une fois que vous êtes tous les quatre revenus ici, vous pouvez retourner en fait dans la salle des brutes. Et en fait, les brutes vont respawn, vont réapparaître. Donc du coup, si vous êtes 4, vous pouvez farmer les brutes, ça donne énormément de points. Et c'est vraiment la technique pour arriver à un très gros score. Donc voilà, vous farmez les brutes, hop, elles vont réapparaître. Vous les retuez. Du moment que vous en laissez une, ça fonctionne. Donc il faut toujours en laisser une. Voilà, là, il y en a encore une. Hop, je vous montre une dernière fois. Et hop, les brutes réapparaissent. Voilà, bon, on va finir l'event du coup. Ça, c'était la petite astuce du dimanche pour pouvoir réaliser plus de points. Bon, je vous avoue, c'est un petit peu chiant
Quand on farme ça pendant 10 minutes, ça devient un petit peu ennuyeux. Mais bon, ça vous permet d'avoir plus de points pour ceux qui veulent se rank sur le tableau, qui veulent faire, qui veulent atteindre les 13-14 millions. C'est vraiment pas mal comme technique. Ça marche bien. Allez, on va pouvoir continuer. L'event est fini. Cette salle, encore un puzzle de sphère. Toujours pareil. Dans l'ordre, les bleus d'abord. Hop. Et voilà, on a la violette à la fin. Ensuite, on a une caisse. Donc, soit elle apparaît ici. Hop, soit elle apparaît dans ce coin-là. Soit elle apparaît vers le fond ici. Voilà. Pareil pour pour l'orbe dorée. Donc, parfois elle est là. Elle est juste dans cette arche-là. Sinon, elle se retrouve ici. Voilà. Et là, on peut continuer sur l'event suivant. Hop. Alors, sur cet event-là, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut être assez rapide. Et bon, bah, il faut être un petit peu synchronisé. Donc, déjà, je vais commencer par récolter 3 échos. Et ensuite, on va aller chercher les bombes. Déjà, en général, il y a une bombe ici. Hop. Et donc, il y a 5 pylônes dans la salle. Donc, 2 qui sont à découvert et 2 qui sont en dessous les cristaux. Donc, vous récupérez la bombe. Ensuite, vous appuyez sur B. Enfin, sur votre Lady Mote. Vous cliquez sur lâcher l'objet. Et ensuite, vous pouvez la détruire. Et en dessous les cristaux, vous avez un pylône dans lequel vous pouvez, vous pouvez poser un écho. Donc il y en a 5 en tout. Voilà, une fois que vous avez posé le cinquième pour récupérer celui qui est là-dedans, hop, vous tuez le boss. Je vois pas grand-chose ici. Et là-bas. Voilà, vous gagnez un multiplicateur. Et ensuite, vous avez juste à démober en fait. Démober, récupérer les échos qui sont en l'air pour finir l'événement comme d'habitude. Voilà, une fois que vous avez posé tous les échos sur la plateforme, vous allez faire pop les deux furies. Donc en GM3, faites attention, elles font un petit peu mal. Mais ils les ont bien nerf quand même, leur bouclier ils sautent assez vite. Donc maintenant c'est voilà, c'est plus qu'une formalité quoi. Hop. Et voilà, on finit l'event. Et ensuite le dernier galapin se trouve dans cette salle. Donc je l'ai vu tout à l'heure, il était par là-bas. Il peut sortir. L'entrée, où est-ce qu'elle est l'entrée? Elle est juste ici. On peut sortir juste au-dessus de l'entrée. Juste là. Un petit peu sur la droite. Voilà, toujours en l'air. Là, actuellement, il est là. Hop. Et ensuite, il peut arriver au fond là-bas. Et au fond là-bas. Voilà, donc vous regardez un petit peu autour parce qu'il y a des spawns différents un petit peu. Mais il est vraiment très facile sur cette instance, ils sont vraiment très faciles à trouver. C'est pas vraiment un casse-tête comme le temple d'Escar où voilà, fallait vraiment trouver, fallait vraiment le chercher pendant 15 minutes quoi. Alors juste avant le boss, attention, faites bien attention de ne pas activer le boss, vous avez une sphère jaune qui est toujours ici. Elle est toujours ici. Voilà, donc c'est assez simple de la trouver. Et ensuite la caisse est toujours ici aussi. J'ai jamais eu d'endroit différent sur cette caisse là. Donc voilà, c'est quelque chose à ne pas oublier. Et ensuite, vous avez le dernier galapin, comme d'habitude, sur voilà, toutes les forteresses de la saison, c'est toujours pareil. Vous avez les 3 galapins et le dernier qui se trouve juste devant l'endroit où il spawn. Voilà, donc vous le tuez. Ça vous donne votre multiplicateur en x14.
Et ensuite, il est temps d'aller sur le boss. Voilà, première partie du boss, le premier quart, il est tombé. Donc voilà, il devient immunisé. Il n'y a aucune technique pour l'instant qui a été découverte pour le one shot. Donc voilà. Donc y a pas, c'est ça qui est un petit peu chiant sur cet instant, c'est que peu importe le DPS que vous avez, vous êtes obligé de passer par les trois phases. Voilà. Donc du coup, la première phase est passée. On va passer à la salle suivante. Alors ici, attention, le puzzle de sphère est à l'envers. La bleue est de l'autre côté, donc récupérée par les vertes. Puisque vous n'allez pas pouvoir récupérer la violette sinon. Ensuite, vous avez une sphère jaune qui peut apparaître juste ici derrière le pont. Voilà. Et la deuxième, elle se trouve juste en bas. Juste au même niveau en fait. Juste ici. Elle est un petit peu cachée. Juste derrière le rocher ici. Voilà. Celle-là, elle est un petit peu difficile à voir. Mais bon, il y en a une ici. C'est important de la voir. C'est ce qui va vous donner votre dernier multiplicateur. Donc si vous la loupez, celle-là, vous allez finir l'instance x15 au lieu de finir en x16. Voilà, donc le puzzle de sphère en général, je le laisse et je le fais sur le retour. Voilà, deuxième partie du boss. Voilà, une fois que vous l'avez descendu à mi-vie, il repasse invincible. Encore une fois. Et ensuite, il se retéléporte à la première salle. Donc, il faut revenir, évidemment. Et donc là, vous pouvez faire... Ah, non, c'est bon. Il s'est téléporté. Et ensuite, vous pouvez faire le puzzle de sphère. Donc, toujours pareil, hein, suivre le chemin, récupérer les bleus. Et à la fin, il y aura une grosse orbe violette qui donne beaucoup de points. Voilà. Et ensuite, vous avez juste à finir le boss. Donc cet instant c'est plutôt rapide hein, au final quand on y pense. Il y a, comme d'habitude, il y a pas mal de choses à faire, mais comme elle est très très rapide, bah au final, moi je la trouve un tout petit peu moins intéressante que les autres. C'est très linéaire, il n'y a vraiment pas beaucoup de choses à chercher. Et si vraiment on veut faire du très gros score, en fait, il faut farmer pendant 10 minutes les brutes, au moins. Et ça devient très très ennuyeux. Donc du coup, ouais, j'aime bien le Maelstrom, c'est correct, c'est assez rapide quand on l'a fait avec une bonne équipe. Mais voilà, un petit peu moins intéressante que les autres, on va dire. Il y a un peu moins de choses à chercher, un peu moins de choses à connaître parfaitement. Mais bon, voilà, vous avez tous les secrets, du coup, vous connaissez un petit peu tous les emplacements, galapins, caisses, orbes dorées, pour pouvoir finir en x16 et gagner un maximum de points. Voilà, donc toujours pareil, en vous conseillant de grouper avec des gens que vous connaissez, même si c'est un petit peu dur en ce moment de trouver des joueurs réguliers, hein, que ce soit sur PC ou sur les consoles, puisque le jeu est un petit peu calme. Mais voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Et puis voilà, lâchez un pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous aide. Et puis voilà, on se retrouve dans un prochain tutoriel. Allez, ciao, ciao!